Force Avenir et le Mouvement Desjardins, fiers de promouvoir l'engagement étudiant. Nous, on s'intéresse à la maladie de Parkinson. Dans l'actualité, on en entend parler, le nombre de patients qui augmente, les traitements sont inefficaces, tout ça. Donc, nous, on a voulu relier ça à la science parce qu'on est deux passionnés de science. Donc, on a eu l'idée d'essayer de trouver un traitement prometteur pour cette maladie. On a travaillé en collaboration avec un chercheur. C'est un laboratoire où ils travaillent, ils font de la recherche sur les cellules souches. C'est vraiment une passion qu'on fait ça. On aime quand on est en laboratoire, on aime travailler ensemble aussi. C'est important de pouvoir vulgariser un sujet compliqué au grand public. De dépasser nos limites puis de voir qu'on fait des choses qu'à notre âge, on n'est pas nécessairement censé faire. Dans les compétitions de sciences auxquelles on participe, on rencontre plein de gens comme nous, en fait, donc à Los Angeles, en Slovaquie, dans l'international. Nous, au début, quand on s'est lancé dans les projets de recherche, on pensait jamais réussir, mais on s'est dit, on va se lancer, on va s'essayer. On ne peut pas dire qu'on a guéri le Parkinson. On est loin de là, en fait. Mais c'est juste travailler, persévérer là-dedans.